Bonjour, nous sommes mardi 14 novembre. Hier, j'ai pas tourné parce que j'ai passé la journée, bonne partie de la journée sur Chartres, où j'ai fait quelques petites emplettes. C'est pour ça que j'ai posé tout ça ici. Je vais tourner un haul. Je pense que vous l'aurez vu avant cette vidéo, il sera déjà en ligne. Il y a pas mal de choses. Et en plus, j'ai reçu hier, avant de partir à Chartres, donc j'ai pas eu le temps de l'ouvrir, je me suis dit que j'allais l'unboxer en plus dans la vidéo haul, un colis d'une abonnée de la box, d'une abonnée de YouTube. Ça fait super plaisir. Si vous entendez... Ouais, peut-être... Enfin, moi, j'entends vachement. Il y a Eric qui est en train de s'entraîner, qui reprend les cours, je crois, à 15h30. Il est 14h20. J'ai l'impression que je cadre bizarrement là, non? Vous avez été beaucoup, beaucoup sous mon dernier vlog à me dire que bah, vous aviez trouvé vraiment la photo de mon papa qu'on a mis comme ça sur ce support magnifique. Il adore faire des photos, il voyage énormément vraiment dans le monde entier. Et bah, il a une page photo, il a un site et puis il a une page Insta, donc je vais vous la mettre si vous voulez découvrir ça. Une fois que j'aurai tourné la vidéo, on va essayer de le placer, ce qui n'est pas évident parce qu'il y a un fond noir et dans le salon, on est quand même sur des tons un peu clairs. Donc si ça ne matche pas là, on fera ensemble les simus. Ça peut être dans mon bureau aussi. Ça peut être très sympa. Allez, je vais installer, je vais tout préparer et je vous reprends après le tournage. Les coulisses d'un hall terminées. Ça c'est fait. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que bah, nous sommes le 14, ce qui veut dire que j'attends, moi je suis prête, j'ai commencé les bordereaux, les cartonnages, tout ça. J'attends les deux derniers articles. Demain il y en a un des trois, c'est sûr, j'ai eu la validation de Colissimo. Par contre, le dernier article, ça va tout me décaler parce que je peux pas commencer une prod s'il manque un article. J'ai tout, j'attends. Idéalement, j'aurais voulu commencer demain quand même. Mais bon, je vais essayer de recontacter encore la marque, ça fait deux fois, pour accélérer un petit peu les choses. Voilà, vous savez tout, je monte, je vais faire commencer le montage de ce haut. Et vous savez quoi? Eric est parti. Voilà, c'est quelle sombritude. Ouais, Eric là, il est 15h05, je l'entends descendre, il fait « Quel imbécile, j'ai pas vu l'heure passer, il a cours à 15h20. » Et on va faire des courses quand, dès qu'il sort du lycée, vers 17h20. Donc il y a une tâche. Est-ce que c'est mieux? Ah, c'est vrai qu'il y a la machine aussi. Il est 17h15, j'ai mis 2 heures pour le montage de la vidéo. Et je suis carrément en temps puisqu'Eric, là, il va pas tarder. 15 minutes, j'ai remis ça hein, du coup, parce que l'autre, je vais le laver. Il faut que je retrouve, j'avais commencé une liste pour les courses. Il est là ou pas? Oui, elle est là. Ça va toi, mon toto? Oh, ça va, mon chéri? Il faut que je passe à Zoo Plus ou Jardiland déjà. Il faut de la litière, des croquettes en plus. Et il faut que je prenne aussi... Enfin, il faut que je note... Oh, que t'es mignon. T'es beau, hein? T'es content? Oh oui. Tout. Pas ça. Non. Vu qu'il fait quand même bien sombre, je vous montrerai... Arrête, mais tu vas pas me faire tous les fauteuils? Arrête! Mais qu'est-ce qu'il prend? Vu qu'il fait quand même pas mal sombre, je vous montrerai demain le cadre photo de mon papa installé. Parce que là, vraiment, il n'y a plus. Encore un gros plein de courses. Il faut qu'on passe à Jardiland pour les photos de Jack. Hein, faut pas qu'on oublie. Hein. Ouais. Passer à Jardiland, là. Oh, séance photo, en fait. Il serait content. Salut. Alors lui, des fois, il a ses humeurs. Hein. Ah, tu vois, t'es pas habitué à la caméra, si? Parti. Il y a pas mal de choses quand même. Hein. Je vous montre juste comme ça la vue d'ensemble et je vais tout mettre ici et après je range. Alors, j'ai repris parce que je les ai trouvés vraiment très bons. Ça me fait pas mal au ventre. C'est à base de lait de coco, mangue passion, donc 4 parce que ça va quand même très vite. Petit plaisir, voilà, j'ai envie de blinis, mais j'ai pris vraiment les gros. Comme ça, faire chauffer au four, je préfère moi. Pour aller avec tzatziki extra et houmous. Voilà, comme ça. J'ai pris du chavroux, des œufs parce qu'on va refaire des crêpes. Ça, c'est pour le matin. Petit plaisir, je me suis pris des petits guimauves ourson chocolat. Ça, c'est ma fille qui m'a fait découvrir ça. C'est excellent. Pavlova framboise. Vraiment très très bon. Des petits bouts de meringue, coulis. Si vous avez l'occasion...
hyper bon. Ça, bon, pareil, tu sens que Noël approche, il y en a partout. Les petits crunch cœur comme ça. Oh. Pour le midi, créaline, la purée pois cassé, j'en ai pris deux. Des tranches de dinde. Ça, c'est pour Eric, ce sont ses desserts. Pour le matin, mes muffins. Le thon à la catalane. Ça, c'est ma passion du moment, les choux de Bruxelles. J'ai repris également, bah, je vous les ai déjà montrées parce qu'elles sont très très bonnes. Elles sont super digestes. Ce sont les sans gluten de chez Barilla. Des lingettes, dentifrice et t'as fini, Jack. Ah, il est... ah bah bien sûr, les croquettes tombent dans 10 minutes. Et poubelle. Allez Jack, pousse-toi. Cette sauce aussi qui est très très bonne, je crois que je vais me les faire ce soir. Je vais me refaire mes super pâtes où je mets cette sauce. Des choix, va ta place. Voilà, c'est bien. Je m'occuperai de sa litière demain et j'ai déjà changé. Il a entendu hein. Toutes les croquettes, j'ai mis tout le sachet. Rien que d'entendre le bruit du sachet, il le savait, il était comme un dingue. Et là, il est comme un dingue, comme un dingue. Complètement foufou là. T'es tout fou? Il est déjà 11h49. J'ai fait que bosser ce matin, j'ai fait deux vidéos, du montage, j'ai reçu le troisième article de la box, donc j'ai tout compté, ça prend du temps. Toujours pas reçu, je sais plus si je vous l'ai dit dans ce vlog, mais il me manque le dernier article qui devait arriver déjà depuis lundi, mais il arrivera que demain, donc ça me décale un peu tout. D'autant plus que vendredi, je dois emmener ma maman, donc sur char pour... encore un petit check-up, des rhumatos, tout ça. Ça veut dire que ça va un peu me décaler, quoi. Je vais commencer un petit peu demain la prod, mais bon. J'ai prévenu de toute façon sur Insta au niveau des clientes. Et je voulais regarder là, parce que, ah oui, ce midi, on va manger chez ma maman. Donc il me reste quoi, 10 minutes, un quart d'heure avant qu'Eric arrive. Ah oui, il ne faut pas que j'oublie, elle m'a demandé d'apporter du pain. Il faut que je passe à la boulangerie. Je voulais, vu qu'il fait quand même lumineux, vous faire la simulation. Je crois que depuis tout à l'heure, je vous parle et c'est cadré n'importe comment. Je suis désolée. Faire la simulation du cadre photo. Quel est cet homme qui passe devant le chemin? Alors, en étant toute seule, c'est vraiment pas évident parce que l'idée, ça serait de le mettre là, comme ça. Sur ce mur, on avait fait une petite simulation. Je le pose juste ici, histoire qu'on se rende compte, mais bien évidemment, il sera remonté. Il faut l'imaginer tout. Il faut que ce soit à peu près centré. Il faut quand même que je fasse plusieurs tests pour être sûre avant de percer quoi. Ici, non, parce que je peux pas le poser là. Parce que ça serait trop collé avec le miroir, miroir que je veux laisser. Oh, j'avais pas vu. Regarde la tête du boudou. Et il vient de se lever, t'as mis bien le bazar dans la couette. Ça y est, c'est l'automne, ça hiberne. Ici, j'adore l'harmonie, donc je vais rien rajouter. J'avoue, mais là, Eric ne voudra jamais faire un trou. Là, ça pourrait être très joli aussi. Hein. Ah, ça peut être en montant aussi. Ça peut être sympa. À la place de celui-ci, le mettre là. Oh, je crois que j'ai fait une connerie. J'ai un truc qui va tomber derrière mon dos. Attendez. Ah, c'est mon petit vernis Dior. Bon, ça va, il n'est pas cassé. Ici, c'est pas la peine. Je viens de le retirer. En fait, comme il est très long, c'était aussi pour cacher des marques. Et comme l'autre est plus court, bah du coup, ça se verra. Donc non. Bon, c'est pas gênant parce que j'aime beaucoup aussi. Regardez la position. On va faire une simu. Merci, Eric. Ah, voilà. Donc, éventuellement ici, c'est joli. Hein, c'est joli, mais peut-être petit, du coup. Je sais pas. J'ai un doute. T'en penses quoi, toi? Tu sais pas trop. Je vois rien. Ok. Et on va essayer vite fait dans le salon également. C'est hyper à contre-jour. Ouais, c'est peut-être plus équilibré. Par contre, ce sera pas un trou. On va mettre du double face. Attends, ouais, c'est pas, ça peut être pas mal. J'avais oublié ma caméra quand on est allé manger ce midi chez ma maman. Elle avait fait des lasagnes végé. Excellent. Là, je suis en train de m'avancer. Je mets mon petit tampon, je les forme et hop, hop, hop. Parce qu'il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme je vous ai dit, vous êtes très nombreux à commander les box. Là, en novembre, beaucoup. J'ai vu qu'il y a déjà pas mal de personnes qui ont commandé la box de Noël, donc qui est actuellement en commande. Je vous avais dit que la box de Noël allait être, on peut dire, un peu grandiose. Elle va l'être. Je me suis lâchée un petit peu. Le bijou va être extraordinaire. Je l'ai montré à 1, 2, 3, 5 personnes à l'unanimité, tout le monde m'a dit je le veux. Il n'y a pas que ça, on va avoir plein de choses, on va avoir un article déco pour la maison, évidemment on va avoir une gourmandise, nous allons avoir une production faite sur mesure, pareil spécialement pour la box. Je peux pas en dire plus, mais c'est le cadeau idéal pour Noël, pour faire plaisir, pour vous faire plaisir. Ne passe pas à côté de cette édition. Vraiment, parce qu'en fait, le 11 décembre, c'est terminé. Vous ne pouvez plus la commander.
Bon ben, je vais arrêter, hein, parce que je ne vois plus rien. Il n'y a pas de lumière dans cette pièce. C'est abusé, hein. J'ai mis une bonne partie déjà ici, je suis même pas à la moitié, pour vous dire. Mais j'arrête. Et ben, vous savez quoi? Je suis fière de moi. Déjà, nous sommes le lendemain. Pourquoi je suis fière de moi? Parce qu'en fait, je vous avais dit que j'attendais impérativement le dernier article pour commencer la prod, parce que là, je ne pouvais pas me permettre. Il y avait déjà 4 jours de retard dans la livraison. Et si je la recevais demain, vu que demain, je ne suis pas là, je vous ai dit que je suis avec ma maman à Chartres, ça m'aurait tout décalé, vraiment. Et donc ce matin, 9h, rien, je dis 9h parce qu'en général, c'est l'heure à laquelle Colissimo passe, donc 9h rien, jusque-là, bon, voilà. 9h20, rien, 9h30, rien, 45, 10h, je commence à me dire, ah, c'est pas bon, 10h20, 10h30, rien, je fais... J'ai fait un travail sur moi, vous savez, je vous avais dit que dernièrement, les contrariétés, tout ça, ça me provoquait des algies, dès que je m'énervais, dès que je me stressais, des migraines qui pouvaient durer pendant une semaine, enfin l'horreur. J'ai réussi à faire une petite gymnastique, à relativiser, c'est pas grave, même si ça, c'est pas que c'est grave, mais ça m'aurait foutu dedans. Petit travail là-haut, bon, à 10h40 ça a sonné, la poste m'a livré, donc c'est cool, mais quand même, je pense qu'il y a un mois de ça, j'aurais pété un plomb. Donc tout ça pour vous dire que déjà j'ai ma livraison, j'ai réussi à ne pas stresser plus que ça et ça c'est cool. D'ailleurs je rebondis là-dessus parce que j'ai eu pas mal de questions, comment je tolérais les bêta bloquants. Et bien figurez-vous que je n'ai pas encore pris les bêta bloquants, tout simplement parce que j'ai eu pas mal de choses, des déplacements, je recevais aussi à la maison et j'avais peur de faire une mauvaise réaction justement, donc j'étais pas prête, donc j'ai pas encore testé. Le traitement à base de fer, écoutez, pour l'instant ça va, j'ai pas fait de mauvaise réaction. Ça suit son cours. Évidemment, je vous en parlerai dès l'instant où je commencerai le traitement. Comme je vous ai dit, de toute façon, les bêta-bloquants, il m'a dit de prendre un jour sur deux. Enfin, 3 fois semaine, en fait. Et ce que vous entendez, c'est que là, la livraison, c'est très lourd. J'ai demandé à Eric de me le monter dans mon bureau. Je vais donc pouvoir commencer aujourd'hui. Par contre, les jours se suivent et se ressemblent pour lui. Hein. Je crois qu'il a vraiment sa place pour cet automne et cet hiver. Tu vas pas bouger, tu comptes pas bouger des masses, c'est ça? T'as prévu un truc cet après-midi? Ah, d'accord. Il est 4h30, Eric vient de m'appeler, il avait fini les cours. J'avance, pas ouf, mais j'avance. J'aurais dû en faire 30, ce qui n'est pas énorme. En fait, vu que demain, je vous ai dit, je vais sur Chartres, il faut que j'aille mettre de l'essence, ça sera fait. Je serai contente demain de me dire que j'ai pas allé. Et aussi, peut-être prendre l'air de 3 minutes. Parce qu'être dans le cartonnage, comme ça, entre le scotch, le carton, c'est pas ouf. Voilà, elles sont là, les premières boxes. Il y en a un petit peu aussi à côté, mais bon. Ah, il est déjà là. Il m'attend, j'y vais. En vrai, je suis claquée de faire comme ça, répétitif. Ce qui est bien, c'est que bah, je vous ai dit à chaque fois, je regarde des podcasts. Là, j'ai regardé Juliette Katz, donc c'est le pod Katz. C'était pas mal. Il y a vraiment des sujets sympas à chaque fois et wow, ça me passe le temps. Donc, essence, et je vais en profiter. J'ai plus trop de gros scotch pour mes box. Voilà, ça c'est fait. J'en ai pris 7. Ça pourrait bien qu'il y ait un petit achat de goûter. Je sais même plus ce qu'on a pris. Ah si, Donc, mes 7 rouleaux. Il n'y en a pas 7. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Mais non, j'en ai pris 7. Ah, il devrait être dans la voiture les autres. Bon, c'est rien. Regardez ce que j'ai trouvé chez Marie Blachère. Franchement, chérie, je pensais ne rien prendre pour moi. Ouais. Ouais, mais là, j'ai vu. Comment tu peux rentrer quelque part en disant je ne veux rien prendre? Parce que j'avais pas envie de manger quoi que ce soit. Bref, leur madeleine, choco noisette. On peut pas dire. Qu'est-ce qu'on s'est pris d'autre? Je ne sais même plus. Toi, t'as craqué. Hein. Ah, oui. Du pain complet qu'on a tranché. J'ai craqué. Bah, un peu. T'as pris un Marie Pépite. Oui. Au chocolat. Tu as pris, quand même, excuse-moi, mais un cookie 3 chocolats. Oui. Si c'est pas du craquage. Bah si. Et je sais même plus. Ah si, tu t'es pris le pain sportif, je l'aime pas du tout. Mince, attends. C'était pas ouvert complet. Leur pain sportif chez Marie Blachère, je l'aime pas du tout, du tout. Il y a, je sais pas quoi, je trouve que l'équilibre n'est pas là. Bon, par contre, je vous le dis, vu que demain, j'ai l'impression que je l'ai répété 15 millions de fois, je ne suis pas là, et que demain, c'est la journée où je dois publier mon vlog, je vais terminer maintenant.
Je vais terminer maintenant le montage, donc je vais forcément clore ce vlog maintenant. Voilà, et je filmerai, je pense, demain et tout ça. Ça peut être sympa aussi.